Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de société. Et aujourd'hui, on va jouer à Vraiment Tréfuté, qui est la suite de Tréfuté. Le but, c'est de faire le plus de points à la fin. Derrière, ici, on écrira les noms. Et ici, il y a les couleurs. Sur l'affiche, là, c'est le gris, ici, le jaune, et voilà. Et ici, ça fera les points à la fin. Voilà. Bon, ça, on fera à la fin. On a 6 manches de 3 lancers. Donc, on aura 3 lancers de dés. Voilà, bon bah on va commencer hein. Donc je commence, ouais, je suis avec mon père hein. Ouais, bonsoir, oui, tu commences et puis on va expliquer un peu plus précisément comment ça joue. Je lance le dé du coup. Voilà, j'ai eu des petits dés, lancer le dé quoi. Du coup je pense que si je vais prendre je vais prendre le blanc, et le blanc je vais le mettre, c'est un blanc, du coup je vais le mettre juste ici sur le bleu. Bah oui, c'est... voilà. Donc voilà la fin de mon... En fait, la couleur blanche c'est un joker. Oui, donc c'est ça. Je me rappelle plus, oui. Moi, mais tu me dis je mets sur le bleu. Effectivement, mais... oui, pas, j'ai oublié d'expliquer. Mais le blanc peut aller sur toutes les couleurs, celui-là, le gris, le jaune, le bleu, le vert et le rose. Alors que normalement, on est obligé de prendre le dé de la couleur. Voilà. Pour aller dans la bonne zone. Donc on a une zone jaune où on peut marquer des points avec tous les dés jaunes. Une zone bleue qui est en fait la somme du bleu et du blanc. Et il faut que le chiffre qui succède soit toujours inférieur au chiffre qu'on a marqué avant. Oui, et si on met un 6 sur le bleu, ça réinitialise. Ça réinitialise parce que... Oui. Ouais. Très bien, donc tu as choisi un blanc et donc il n'y a aucun dé qui est éliminé parce que... C'est un 1 et il n'y a rien d'inférieur. Si tu avais choisi un 3 ou un 2, si je me rappelle bien, oui, tous les chiffres qui sont inférieurs à 3 seraient mis sur le plateau gris et tu ne pourrais plus t'en servir pour les jets suivants. Exact, c'est ça. C'est ça, donc ça les élimine quelque part et ils seront disponibles pour moi. Oui. Donc là, tu as choisi un 1, donc du coup, c'est bien, ça te laisse tous les... Je mets du coup dans les petites cases ici. Ok, pour ton second lancé, tu as... Là, je lance les dés. Ah, là, j'ai des bons jeux aussi. Je pense que je vais prendre le 2 jaune. Que du coup, en fait, sur le 2 jaune, on a deux possibilités de choix de cases. Et moi, je pense que je vais mettre sur celui-là. Voilà. Du coup, voilà. Ah, on a oublié déjà aussi de cocher la première manche. La première manche qui nous donne... Un joker. Relance. De relance. Ça disponible. Oui. Voilà. Du coup, troisième lancé. Ah, c'est déjà bien. Je vais prendre le... De toute façon, là, tous les trois qui me restaient vont aller sur le plateau gris et ça sera mes dés pour moi. Ouais. Donc moi, à la fin, je vais en choisir un. Donc, qu'est-ce que tu me laisses? En fait, j'hésite à prendre soit le vert, le 4 vert pour que ça fasse 8 points. Pourquoi ça fait 8 points? Sur le vert, il y a x2 et sur les deux cases, en fait, ça fait x2 moins l'autre x2 du chiffre. C'est après, ça donne le point de victoire à la fin. Je vais prendre le 4 ici. Du coup, ici, ça fait okay. 8 points. Donc moi, il faut que je choisisse parmi les 3 dés qui restent. J'ai un 2 rose qui est une sorte de joker, en fait. C'est un 2 qu'on peut mettre en bas, il n'y a pas de truc. Le 5 gris qui se met dans la colonne grise. Et donc, dans n'importe quelle colonne, hein, vu que dans n'importe quel 5... n'importe quel 5, soit le 5 jaune, soit le 5... donc voilà.
et qui me donne, si la colonne 5 est pleine, à la fin ça me donnera un bonus. Ou le 3 bleu, qui est forcément la somme du bleu et du blanc, pour qu'on choisit le bleu, donc il me fera un 4. Et il faudra que mon chiffre supérieur soit inférieur à 4. Ça ne me laisse pas beaucoup de choix. Mais je suis tenté par le 5, parce que c'est quand même pas évident de faire un 5. Je me rappelle plus, est-ce qu'il y a des bonus par ligne? C'est ici, quand on met par ligne, ça fait des points ici. Si j'en mets un dans une ligne, ça me fait 2 points, 4 points, 7 points, 11 points, 16 points, 20 points. Oui. Si j'arrive à mettre les 6 lignes. Mmh. Et en colonne, ça me donne un bonus. Exact. Et ça, c'est les points de victoire, vraiment, c'est les points. Mmh. C'est ça, en fait. Là, vu que moi j'ai coché encore qu'une case, ça me fera 2 points à la fin. S'il y a 1 et 2 points de victoire, quand j'en aurai posé les 6 sur une colonne, la colonne et que la colonne me fera. Je vais faire un truc tout nul, je vais mettre un 2 rose. Ah ouais, parce que j'ai pas envie de bloquer. Terrible, mais à mon tour. Là, c'est à toi de lancer. On va lancer. Voilà, donc, alors, j'ai un 1. Alors moi j'aime beaucoup les jaunes, donc là l'idée c'est si je prends un 6 dès le premier tour, tous les autres vont aller sur le plateau gris, je pourrais plus les lancer et c'est la fin de mon tour. Ouais. Je n'aurai qu'un seul jeté. Donc faut que je prenne un petit chiffre. Donc 1-1, un des deux 1 ça serait bien, un rose qui n'est pas super vu que je marque un point, ou un 1 jaune. Donc forcément je vais prendre le 1 jaune. Alors je le mets, il n'y a qu'un seul endroit pour le 1 jaune, donc c'est ici. Voilà, et c'est tout simple, et on verra ce que ça fait. Alors ici, les jaunes, en fait, il faut avoir le plus possible pour marquer le plus de points. Donc, second lancer. Waouh, 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 waouh. Le degré Non, le degré ne me plaît pas. Le 6, 6. Le 6. J'ai un 6, mais bon, voilà, si je fais ça, j'ai plus de troisième lancer, quoi. Donc, je ne peux pas prendre le 6. Je prends le 4 vert, tout simplement, voilà, qui m'élimine ces deux-là. C'est un peu pour montrer comment ça fonctionne. Hein. Donc le 4 vert ici, c'est un x2, donc ça fait 8. Ouais, comme moi, t'as fait exactement case. La même chose que moi, sauf que moi, j'avais pas mis de... Il me reste que 2 dés pour mon troisième lancer. Et voilà, je refais un 6 blanc, donc qui est un 6 joker. Bah oui, je peux le mettre où je veux. Donc, ouais, je vais le prendre, tout à fait. Je te laisse que des 2 pour toi. Très je suis très gentil, hein. Alors je vais refaire encore un 6 jaune. Voilà, tu choisis quoi? Moi je vais prendre le 2 gris pour mon bonus. D'accord. Voilà, je vais le mettre sur le 2 du jaune là. Pour pas continuer, au cas où si j'ai plein de jaunes. D'accord. Voilà. Donc, premier lancé. Ah, deuxième manche aussi. Ouais, deuxième manche. Là, et ça me fait plus 1, donc... On a un bonus plus 1. Si on peut rajouter plus 1 dès qu'on sélectionne. Ah, oui. Donc, si tu sélectionnes un 4, tu peux le faire devenir un 5. Donc, moi, je vais pour là prendre... Les deux blancs. Un deux blanc. Je me tâte quand même parce qu'après je peux avoir un autre. Un 5 blanc, c'est mieux d'avoir des 5 jokers. Je prends le 2 rose. Okay. Là, je relance, il n'y a rien qui va. Un truc. Alors là, j'ai encore un 2, super. Encore un 2 blanc. Et voilà. Je crois que je vais prendre le 2 blanc, je sais pas en fait. Mm-hmm. Parce que si je prends le 2 blanc, après si je prends un autre chiffre, le blanc il sera la plus belle. Il sera éliminé, ouais, t'auras un joker. Pardon. Donc moi je propose que je puisse prendre le blanc. Si tu prends un 2 blanc et que tu le mets dans ton vert, donc tu multiplies par 2, ça fait 4. 8 moins 4, ça te fait 4. Et donc... Au premier gain de vert, ça marche comme ça. Ça te fera 4 points et tu gagneras un bonus de relance.
C'est pas mal, oui. C'était pas mal. Non, je fais ça. C'est une idée, hein. Après, t'aurais pu continuer une série. 4, du coup, ici, ça me fait 4 points. Et ici, ça me donne une lance. Voilà. Du coup, je vais lancer. Ah, là, j'ai fait un 3. Je fais un dé. Je vais prendre le 5 vert. Pour qu'ici, ça me fasse 10 points, parce que c'est encore x2. Un 10. Voilà, et je te laisse ça. Ça aussi. Eh bien, c'est très gentil. C'est très gentil. Je vais reprendre un 3 jaune. Sachant que les jaunes, pour qu'ils soient comptabilisés, il faut qu'ils soient sélectionnés deux fois. D'abord, on met un cercle et ensuite, il faut mettre une croix. Pour qu'il compte vraiment. Oui. Il faut vraiment. Si on veut avoir le bonus, faut pas cocher par contre. Pour avoir le bonus, il faut, par exemple ici, je peux pas faire deux fois le là. Alors si je veux le remettre, ben, si je le remets et qu'après je mets le 1 jaune ici, je pourrais pas avoir le bonus. Parce qu'il faut que ça soit que entouré pour avoir le bonus. D'accord. Ok, moi je dois choisir parmi ces. Oui, bah, j'ai choisi le 3. Pardon, autant, moi, à moi de jouer. Mmh. Alors, j'ai fait des très gros dés. C'est pas mal. Alors, bon, le 6 on l'oublie, le 5 on l'oublie, hein, on va pas. Donc, il me reste soit un 3 vert, dont ça m'est un peu égal, soit un 4 joker, un 4 jaune, 4 roses. Ouais, je vais continuer avec les 4. Ici. Donc en fait, et là, ma ligne est complète. Donc j'ai le bonus qui me permet en fait de sélectionner n'importe quel chiffre en jaune. Exact. Entre 1 et 6. Entre 1 et 6. Alors sachant qu'on peut n'utiliser qu'une seule fois le chiffre, c'est pas. C'est-à-dire que là j'entoure le 4 ici. Le 4 qui est là. Je peux plus jamais l'utiliser. Ouais. Donc je me suis privé du bonus de cette colonne et de cette ligne. Donc je suis plutôt parti sur cette ligne-là, sachant qu'ici j'ai entouré le 3. Donc je peux pas entourer le 3 ici. Donc c'est extrêmement bien joué ce que je viens de faire. je redécouvre un peu la zone jaune, mais voilà, c'est un peu contraignant. Donc je disais, je vais prendre. Donc ça m'interroge pas le 4 jaune. Je viens de prendre. Et je reprends un autre chiffre. Je vais reprendre le 2, ici, qui me donne immédiatement un bonus. Ici, tu te souviens, c'est quoi ce bonus? Ah, ça, c'est. On peut relancer un dé, je crois. Un dé Oui. Je suis pas sûr, je peux regarder sur les règles. Et en fait, je me souviens qu'en fait, le plus 1, c'est fait pas. C'est plus une action. Oui, si tu peux reprendre un dé que tu as déjà joué. Ouais, tu rejoues deux fois le. Oui, je me suis gouré. Et donc, ça, c'est relancé. Vas-y, vérifie pendant que je rejoue dans mon deuxième lancé. Top like. Alors, j'ai un rose, un 3 gris. Ah. Oui, on va aller dans les 3 gris. Hein. D'accord. En fait, s'il y a un dé qui est sur le plateau d'argent, par exemple, si son 4 il est là et qu'il veut le refaire revenir, il utilise cette action et il peut revenir là. Ah, pour le prochain lancer, okay, si je l'ai mis de côté. Oui. Ok, plus 1, c'est faire une action d'un des dés une deuxième fois, sélectionné. Oui. Et ce bonus-là, c'est relancer les dés. Par exemple, là, ce lancer me plaît pas, je pourrais l'utiliser pour relancer tous les dés. Mais ce lancer me plaît énormément parce que j'ai un 3 gris, donc je peux le mettre dans n'importe quel 3 de la zone grise. Je vais voter pour un 3 bleu, j'en ai besoin des 3 bleus, peut-être un 3 vert.
3 verts. Non, tu me donnes ce petit truc-là, ça me plaît et pas. Et on met ça ici. Ouais, ça me plaît pas, le bonus 3. Non, c'est le petit renard, hein. On expliquera, mais... Allez, je vais faire un peu n'importe quoi. Attends, toi, tu fais une croix. On va peut-être faire une croix. Voilà, 3 gris. Ok. Oh, pas mal comme détail. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je crois que je vais prendre les bleus. Le bleu, qui est donc la somme du bleu et du blanc. Donc ça me fait 10 points. T'as été très, très gentil de me laisser le blanc, parce que du coup, moi, je vais pouvoir le prendre comme bonus. Et le mettre. Je peux faire l'inverse. J'aurais pu faire l'inverse. Alors j'ai joué un peu vite, mais j'aurais pu faire l'inverse comme ça. Non. Ça revenait au même. Je prenais le blanc en tant que bleu. Mais voilà, j'ai pas. T'as joué trop vite. J'ai joué trop vite. Donc le 5 blanc, coup, tu peux mettre n'importe où. Je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre, parce que. Enfin, oui, mais je vais le mettre là dans le gris. Je vais le mettre. Ici. Je t'aurais laissé le bleu, voilà. T'aurais pu aussi faire oui, un 10. Aussi, pas, j'ai fait un beau lancer de toute façon, donc je t'ai laissé des beaux dés. Ouais, troisième manche. Essaye de faire pareil pour moi, laisse-moi des jolis dés. Pourquoi ? Pour le troisième plateau. Donc on a de nouveau un bonus, ramener un dé du plateau d'argent. Ouais, alors je lance. Pardon. Alors voilà, ma gros dé, le début un peu. Je crois que je vais prendre le 3. Que je vais mettre là du coup. Et du coup ça me fait 7 points. Et en plus je coche une. Enfin je mets le chiffre du bleu n'importe. Enfin, du coup, ça fait 6. Plus 5, ça fait 11. C'est ça? Je crois, parce que si je prends ça. Je peux choisir un chiffre entre 1 et 6. Plus du coup bah, le chiffre blanc si c'est sur le bleu. Mais voilà, je pense hein, que c'est ça. De 2 à 12 pour la zone bleue. Ah, de 2 à 12. Ouais. Bah 12. 12 du coup. Ah, sans additionner plus le blanc. 12. D'accord, bah 12. Les bonus, c'est de 2 à 12. Et pour les zones vertes et roses, c'est de 1 à 6. Ok. Tu peux choisir. Donc là, comme c'est ton premier, en effet, il faut que le suivant soit inférieur. Là, je relance. D'accord. Je vais prendre le 2 roses. Parce que le jaune ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est intéressant de monter sur la piste rose parce qu'il y a énormément de bonus. Ouais, à chaque truc, il y a un bonus. C'est ça qui est bien. Donc ça peut être. C'est, ah. Ça peut être pas trop, mais il y a beaucoup de bonus. C'est bien là. Ouais, c'est bien. Je me tâte en fait. Parce que soit je prends le 5 blanc et du coup je peux le mettre n'importe où. Soit je prends le. Ouais, je peux le mettre là. Je vais prendre le 3. Du coup, que je vais me mettre ici. Et voilà. Okay. Et tu me laisses gentiment un 5. De chaque. Joker. Je peux mettre où je veux. Ou un 10 aussi. Ici. Oui, mais bon. Le suivant doit être inférieur ou égal à 10, oui. Donc tu peux, ça te fait. Je peux, en effet, je peux. Mais je vais me prendre un 5 gris. Donc je peux mettre sur n'importe quelle colonne. Donc, je me fais un 5 bleu, donc j'ai commencé dans la ligne des bleus. Alors. Tous les dés là. Oh là 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 là, 3-6, que j'exclus. Et puis... 2-3 et 1-4. Ouais, 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 ouais.
Bah, en vrai, le 3 gris, il peut t'arranger, hein. T'as commencé sur la ligne de 3 pour faire le renard. Ouais, t'as raison. 3 gris, je prends n'importe lequel. Hein. 3 verts, 3 roses. 3 roses. Ok. Oh, les petits chiffres. Oh, les petits chiffres. Je vais faire un vert. Ouais. T'as du bol, toi. Pas mal. Fois 2, ça fait 2. 8 moins 2, ça fait 6. Et ça me fera 6 points à la fin. Et je gagne un bonus relance. On va toujours pas utiliser. Ben voilà, je fais des beaux lancers. Hein. Tu peux prendre le 6. Moi, j'aurais pris. Moi, je prendrais le 6. Le 6 rose. Le 6 rose. Ça fait 6 points et en plus, t'avances. Ouais. Si je le prends, tu pourras pas. Après, je te laisse un 5 de joker. Ouais. Un 6 bleu. Le 6 bleu, il va 11. Ça te fait 11 points. Ouais. Le 1 jaune, ouais, t'as bien envie de prendre le 1 jaune. Pourquoi? Je sais pas, ouais, tu fais, joues pas beaucoup les jaunes. Non, effectivement. C'est pas ce qui pourrait t'arranger en fait. Je vais jouer vite, hein, comme voilà, pour pas trop faire traîner. Voilà, je te laisse ça. Je fais le 6 rose. D'accord, bah moi je vais prendre le 5 joker que je vais poser. Je crois que je vais le poser là sur le 5 jaune. Enfin, 5 jaune dans la case grise. Ok. Voilà.